Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dégustation. Comme vous voyez, on a fait une belle petite assiette et Mélodie et Opus vont pouvoir goûter ces aliments. Avant de commencer, j'avais déjà fait deux autres vidéos où je fais goûter des aliments à mes chiens. Si vous ne les avez pas vues, je vous mettrai dans le petit i ici, je crois. Donc ça, c'est la partie 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette jolie assiette? Opus, oui, je sais. De la choucroute, des rillettes faites maison, de la banane, des crevettes, des knackis. Alors les saucisses, j'avais déjà fait goûter, mais c'était des chipolatas, mais pas des knackis. Ensuite, on a du petit marron, de la bressaola, du poivron rouge cuit, du jambon et de la langue. Ah oui, et pour finir, des petits cubes de vache qui rit. Non, loulou. Oui. Bon, mais là, tu vois, il y a l'emballage, tu peux pas manger encore. Non. Je crois qu'au plus, il a faim, hein. Mélodie attend sagement à côté. Oui, ma puce. Non, 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 non. Depuis tout à l'heure, ils essayent de piquer dans l'assiette, mais il faut attendre. Donc voilà, juste avant, petit disclaimer, il y a certains aliments qui ne sont pas très, très bons pour les chiens. Arrête, loulou. Comme par exemple la bressaola, le jambon. C'est surtout que c'est salé et du coup, faut pas donner en grande quantité tous les jours, bien évidemment. Bon alors, c'est parti. Alors, on commence par quoi? On mange quoi d'abord? Mélodie, elle fixe l'assiette! Mon bébé! N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'aliment préféré de votre chien. Et peut-être que si Mélodie et Opus ne connaissent pas cet aliment, je ferai goûter dans une partie 4. Non, choupi! Attention, la langue. Tu aimes? C'est un grand oui. Il me lèche même les doigts. On regoute? Faut toujours regoûter. Bon, bah c'est validé. Ensuite, on continue avec la choucroute. Alors ça, franchement, je sais pas du tout s'ils vont aimer. Au plus, ça finit. Et Mélodie aussi. Bah c'est validé aussi. On regoute? Attends. Est-ce que vous aimez ça? Oui. C'est validé. On va passer maintenant aux crevettes. Est-ce que les crevettes, c'est validé ou pas? Attends, au plus, on ne met pas les pattes sur la table. En tout cas, ils mâchent. Au moins, la crevette... Ah! Au plus, a recraché la crevette. T'aimes pas, mon loup? Mélodie a mangé la crevette, mais au plus... Tiens. Recrache dans la... main. Je suis pas sûre qu'Opus aime. Il mange un petit peu, mais si il l'a mangé, on va réessayer pour voir. Mélodie, attends, d'abord Mélodie. Bon, Mélodie, c'est pas de souci, elle aime la crevette. Hein. Opus. Ça croustille? Bon, bah c'est validé apparemment la crevette. Bah oui. Pourtant, c'est bizarre la crevette. Il l'a mangé, mais je m'attendais un peu plus d'enthousiasme, comme Mélodie par exemple. Parce que la crevette, ouais, c'est bon, hein? Bon, oui. Toi, tu veux goûter les rillettes. Je sens que ça, il n'y a pas photo, ils vont manger. Au plus, c'est là, loulou. Eh oui. Chacun sa main. Bon, Mélodie, c'est bon. Au plus, il lèche même mes doigts. Les rillettes sont validées. Ensuite, nous avons du... poivron. Le poivron. Est-ce qu'ils aiment? Ils l'ont gobé. Mais vous avez même pas goûté? Franchement, je pensais pas qu'ils allaient aimer le poivron. Ah si. Je sais même pas s'ils mâchent. Je sais même pas s'ils se rendent compte qu'ils mangent quelque chose. Ils l'ont juste gobé. Des apéricubes. Attends, ça se mange pas l'emballage? Non. Attends, attends, attends. Attends, vous me bavez dessus. Bon, on va faire le petit jeu. Il y a trois mots et il faut que vous deviniez quelle célébrité se cache derrière ces trois mots. Eh, choupette, non. Alors, si je vous dis Capman, animateur, bêtisier, vous répondez, dites-moi en commentaire et je vous dirai si c'est bon ou pas. Ah ah, la vache qui rit. T'es né. Toi, tu te couches carrément. Bon, il gobe toujours, hein. Même pas il mâche.
C'est encore une fois validé. Est-ce que vous aimez le potimarron? Mais Mélodie, elle est installée comme ça, couchée, presque elle met la tête sur la table et elle gobe comme ça, elle mange tout. Ah, tu te redresses, t'as vu? Ah, quand je t'ai dit des trucs, hein? Le potimarron, ça a l'air d'être validé par Mélodie et Opus. Ouais, c'est validé. Ils sont pas très difficiles, hein. Bon, on continue avec de la bressaola. Est-ce que vous aimez? Pourquoi cette question? Bien sûr qu'ils aiment. Bah alors? Et la saucisse? Est-ce que vous aimez la knaki? C'est validé aussi. Ah, on me donne la pâte. Donne la pâte dans la main. Ou sur le bras. Donne la pâte. Aïe, ah, oui, c'est bon. Tenez. Il nous reste la banane et le jambon. On va goûter la banane? Est-ce que la banane, vous aimez? Ah, Opus recrache. Mélodie essaye. Mélodie a mangé. Opus, la banane, tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas la banane? Regarde. La banane. La banane. Tu n'aimes pas ça? C'est quoi ça? Non? Bah là? Tu n'aimes pas? Ça n'a pas l'air bon. Tu veux goûter toi? Attends, ça c'est celui d'Opus. Tiens. Bon, alors Mélodie, elle aime la banane. Opus, c'est autre chose. Non? Ok. Il n'aime pas la banane. Et on termine par du jambon. Est-ce que le jambon, c'est validé? Bien sûr, c'est validé le jambon. Est-ce que tu manges si je fais un sandwich banane-jambon? Ça passe. La banane passe avec du jambon. Non, mais je rêve. Mais vas-y, tu fais la belle? Tu fais la belle? Oui, c'est bien. En plus, tu fais le beau? Tu fais le beau? On fait le beau. Écoute-moi. Tu fais le beau. Tu fais le beau. Allez, on fait le beau. Allez, encore, on fait le beau. Ouais, c'est bien. Est-ce que si on fait le beau et la belle en même temps? Attention, dressage. Fais le beau, la belle. Oh! Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? On peut tout faire avec la nourriture, hein. Bon, eh bien, on a fini de tout goûter. Je pense qu'ils sont un peu dégoûtés que la vidéo soit finie. Le léchage de langue, t'as faim? Tu vas encore manger. Incroyable, quoi. Ben voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir toutes vos réactions. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et ben voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Tu dis au revoir? Au revoir!